Dixie. Allez. Et salut tout le monde, c'est MacLeon85 aujourd'hui, donc on se retrouve en plein milieu d'un combat. Donc voilà, donc j'étais en train d'XP un petit peu mon Dixie parce qu'il était un petit peu à la ramasse, donc voilà. Je crois qu'il était niveau 12 ou 11 à la fin de l'autre épisode, non 12 je crois. Donc voilà, donc j'ai monté deux niveaux. Il a appris étincelle. Notre cher petit Pokémon étincelle, ouais. Première attaque type électrique. Et Tourvol, lui, ben je viens juste de le monter d'un niveau. Et puis ben rouge bouton, il n'y a rien. Soit voilà, rouge bouton et tortipousse n'ont pas changé depuis la dernière fois. Et Tourvol n'a rien appris d'autre. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si, l'arbre à miel aussi que je suis allé voir. Un peu dégoûté, c'était un Chenity. Bon voilà, je ne l'ai pas attrapé, hein, ça m'intéressait pas trop. Et enfin, j'ai pas eu le chronomètre sur la Pokémon Train. Donc il est 13h04 au moment où je fais la vidéo. On va aller tout de suite aux éoliennes pour aller attaquer la Team Galaxy. Je vais garder l'Ixie, tiens, pour l'XP un petit peu, pour que ce soit niveau 15 minimum. Parce que si j'ai bon souvenir, ouais, de toute façon il y aura du... Ouais, non, c'est bon. Ouais, niveau 15. Tortipousse aussi. Ah, allez, on va se faire plaisir. Tortipousse devant. Non, tortipousse devant, désolé pour le bug de la télécommande. Donc voilà. Oui, et aussi pour la Pokémontre. Je vous montre pas le logiciel que j'ai reçu, mais c'est Carnet en fait. Carnet, c'est pour... je sais plus pourquoi d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Donc, allez. Lui, sinon, je crois pas qu'il fait un combat, lui. On va bien voir. Oui. Ah bah si, je sais pas quand je vais m'en passer. Oh punaise, mais c'est pas vrai ça. J'ai bien fait de garder en fait une attaque de type normal, hein, parce que vous voyez, si j'aurais gardé Volvi, ce combat aurait mis un temps fou. Oh non. Oh non. Oh, il est cheaté son shoot. Il est cheaté. Ouais, je préfère. Mais vas-y, deux fois la trouille, quoi. Le truc, c'est super. Oh, ben, voilà. Non, pardon. En fait, c'était fait exprès. C'est normal. Il m'a foutu trois fois la trouille. Deux fois la trouille. De toute façon, hein, voilà, on pouvait esquiver le combat, mais moi, comme je dis, je les fais tous. Je tentais de parler au mec en bas. Ah non, c'est le mec qui m'a attaqué au départ devant la porte, normalement. Je vais essayer, mais normalement, c'est ça. Chagrin. Allez, un petit tortipousse. Parfait. J'ai bien fait de lancer tranchère. Là, vous voyez, là, mon matcha qui serait parfait pour ce combat. Et bon. Oh, mais c'est qu'il est chaud, mon tortipousse, aujourd'hui. Oh, la puissance. Une fouette. On continue. Non. Oh non, ça, par contre, c'est bon, c'est pour l'écran. Aïe, ça va faire mal. On ira le guérir, hein, tortipousse. Ouh, la prochaine attaque va être puissante. Ouais, j'ai rien dit. Deux fois. Stop, 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 calme-toi, calme-toi. Wow, 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 wow. Oh, d'accord, Guido, tu as réussi à faire le max, quoi. Je vais mourir. Je change. Ouais, j'ai envie qu'il up. Donc l'Ixie, à toi de jouer. Ah.
Ouais, il le savait très bien en fait que j'allais mourir avec le poison, c'est pour ça qu'il en sort. Il est intelligent le petit gars. Voilà, étincelle. L'attaque que j'ai appris tout à l'heure. Enfin oui, non, hier. Hier. Attention. Voilà, parfait. Mais votre Pokémon est mal en point, il devrait dire ça par contre, ce serait plus. Oups. Désolé, je faisais un test. Je faisais un test. Alors, ouh, bug de voix. Non. Hop là. Il est temps d'aller combattre la chef. Ton commandant suprême, dis-tu? Il me fait vraiment peur. Salut. Je suis un des trois commandants de la Team Galaxy. Non, attends, un des quatre commandants. Mon nom est Mars. Eh oui, parce qu'il y a un nouveau commandant qui s'est rajouté. Nous essayons de créer de nouveaux mondes meilleurs que celui-ci, mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce que l'on fait. Tu ne comprends pas non plus, hein? C'est un peu triste. Bon, battons-nous pour décider de ce qu'on fera après. Si je gagne, tu perds. Si tu gagnes, nous autres, les Galaxy partiront. C'est bien ce qui tient de leur parole. Allez, cul de Galaxy. Enfin, c'est un G. Hein. D'abord, ce que j'ai pris a servi. Oh non, 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 ça va pas recommencer. Attendez. Et pas mal. Ok, si c'est à toi de jouer, tu vas up. Échec. C'est un échec. Non, non. Ah si, c'est bon. Pardon, je regarde les mauvais écrans. Il y a un écran qui dit que c'est bloqué. Oh, le coup critique. Chaffreux Pokémon de type normal. Et tourvel, rose bouton et tourvel. J'ai les rose bouton mais bon. Ces attaques sont pas encore assez puissantes, je pense. On aurait mis un bail. Je crois qu'il est niveau 17. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai qu'un seul Pokémon. Bah j'ai la trouille. La puissance quoi, c'est impressionnant. Oh la paix. Oh.
Putain, il est plus rapide que moi quand même, alors que je suis un vaisseau. Les vaisseaux, les vaisseaux, les vaisseaux. Alors, je vais attaquer. Pour finir en beauté. Oh ben, oh ben, ben c'est parfait tout ça. De beaucoup lire. Normalement, je peux. Et voilà. Mais ce n'est pas vrai, j'ai bien apprécié un truc là. Mais ça y est, ce moucheron t'a battu la plaque couture. Enfin, peu importe, nous avons fait le plein d'électricité. Avec cette énergie, nous allons faire quelque chose de spectaculaire, c'est évident, même pour moi, Pluton. J'ai dit que même le patron rêvait. Ouais, donc je suis en fait ce nouveau personnage que nous n'avons pas dans Pokémon Perle. Allons, merci, temps de partir. Ça fait peu de temps que tu me sers au joueur. On peut très bien se passer de toi. Je pense qu'il est temps pour nous de partir. Tim Kaisi, il disait qu'il devait rassembler Pokémon Energy à tout prix. Il disait qu'il voulait créer un nouvel univers. Divagation. J'arrive pas à parler, il n'avait aucun sens. Bon. Tu as toute ma gratitude pour m'avoir sauvé. Je vais enfin pouvoir t'afficher. Papa, tu sens mauvais, t'es vraiment dans une douche. Ah, il me fait travailler non-stop. Merci beaucoup, vous avez fait passer les méchants, je crois, quoi, Pokémon. On en forme de ballon, on reviendra bien nous voir bientôt. Voilà, Bodrive. Bodrive, Bodrive. Je préfère le dire en anglais, ça fait plus classe. Voilà, 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 voilà. Comment on remercie quelqu'un qui vient de l'aider? Vous avez toute ma gratitude, je m'en fous de ta gratitude. Cool qu'il me donne quelque chose. Elle a donné ça. Ah oui, c'est toi. On raconte que Team Galaxy a été aperçu par une cellule centrale. C'est la raison de ma présence ici, alors où sont ces criminels. Tu les as fait fuir, dis-tu. Tu les as laissés, mais soit. Je vais mener l'enquête à l'intérieur. What the fuck? D'accord. Magnifique, tout ce que tu es vrai, superbe. Tu as beau être jeune, tu es un discerné. Parfait, je m'en vais traquer les coupables. D'après un tuyau vestige, je remettrai le repère de la Team Galaxy. Ce serait donc ma prochaine étape. Eh bien, pour moi aussi, tu sais. Allez, allons. Guerrière Tortipousse. Tortipousse, tu as intérêt à évoluer. Allez, je vais le faire évoluer. J'ai trop envie qu'il évolue là. Tortipousse, Boscara. Boscara, c'est ça le nom. J'ai retrouvé son nom. Pardon. Allez, on part. On part là-bas. J'ai gardé les combats, je vais faire un petit muste boué, donc s'il y a des muste boué, des 5 coquilles, des pachirisu et des élixirs. Eau et électricité. Pourquoi? Parce que les eaux créent l'électricité, donc c'est normal qu'il y ait des Pokémon type électrique. Voilà, et aussi je ne sais pas quel Pokémon prendre. Ouais, je sais pas. Mon cher fera l'affaire. Donc oui, t'es sérieux toi? Ça fait mal, ça fait mal. J'ai mal, je souffre. Je sais pas si je prends un Misty Boy pour surf et cascade. Parce que je sais pas prendre. Je sais pas quoi prendre comme type, comme Pokémon de type. Oh. Hop, level 18. Agent. Alléluia. Alléluia. Ça y est. L'évolution. Tu veux dire de plus? Bien. Oh, Boscara. Yes. C'est bon ça. Ah, je suis content. Bon, il aurait pu prendre quelque chose. Eh ben voilà. C'est mes deux premiers Pokémon qui ont été évolués. Mais bon, maintenant. Rose bouton élixir vont être les prochains, donc c'est eux que je vais mettre en premier. Voilà. Soin qu'il y en a qui ont des bustes de boue ici. Oh, pardon. Il
que je trouve un moyen. Ça tira peut-être des Pokémon, ouais, bah ça je le sais. Allez, voilà. Coucou. Je vais faire tous les combats. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah non, c'est un Ponyta. La blague. Putain, la blague. Putain, c'est une blague, sérieux. J'aurais bien mis que c'est pas un coup critique, quoi. Bon, ben, malheureusement, c'est Vixie qui va faire le combat. Oh mon dieu. Oh non. C'est une blague. Putain, c'est sérieux là. Ah, je rage vite par contre sur ce jeu. Oh, tu vas me tuer toi. Oh non, la blague. Il va me foutre tous les... Il va tout mettre, il va me... il va tuer le Pokémon. C'est bien fait pour ta gueule. Ça c'est pour que critique t'as foutu sur mon ici. 228. Tout ce qu'il donne. Alors toi mon petit gars, quand j'aurai mon cher GS, je vais venir te faire chier tout le temps. Parce que si tu donnes autant avec un Ponyta, qu'est-ce que ça sera quand tu l'auras monté de niveau? Ou ça c'est bon ça. De toute façon, ouais, faut que je me dépêche d'avoir mon cher GS, parce que là les Pokémon type sauvage, là, enfin, Pokémon sauvage, ils donneront presque plus rien maintenant. Bon, je sais qu'à la route victoire, j'ai retrouvé le nom de la route sans regarder sur ma carte, hein, bien sûr. La route victoire, pour avoir les Pokémon, je sais que c'est des Pokémon type 4, niveau 40, ce qui donne pas mal. Mais bon. Il donne pas mal, mais bon, après, les vols de mes Pokémon, ensuite, ça sera mais rien du tout. Rien du tout. Ah, mince, c'est pas ici, ça va pas. Et on passe. Non. Ma télécommande ne fait que bugger. C'est pas grave, allez. Ah, j'en ai marre, là, aujourd'hui. Ah, bah, il va up. Allez, méga sensu pour le mousse. Je trouve que ça va pas suffire. Et boum, Noobie. Dans ce bouton là, va falloir que... Hein. Je crois que c'était puissant quand t'es dit poison. Au moins que c'est pas encore un type poison. Attendez, je vérifie. Résume. Ah si, c'est un type poison. Bah, je sais pas. Peut-être le type plante qui... Ouais, le type plante qui doit protéger, je pense. Qui doit... faire... qui doit adoucir notre puissance. Alors, voilà quoi. Vous m'avez compris, il y a intérêt de toute façon. Hop là, hop. Pff, ouais, j'ai bien oublié ta capacité. Croissance, allez. Saucigraine, ça change le... la capacité spéciale du Pokémon par Insomnia. Insomnia, je sais pas ce que ça fait, mais je crois que c'est un truc nul, quoi. Donc, je crois que c'était encore une évolution, j'aurais bien aimé, sérieusement. Tout simplement incroyable ce qui se passerait. De toute façon, vous avez... Enfin, je voulais faire le combat. Malheureusement, voilà ce qu'il a comme Pokémon, il a que de ça. Je crois pas qu'il a Donix, je sais plus. Je crois pas. Ah voilà, je voulais en parler. Alors attendez. Je sais plus le nom précis, mais je suis un collègue sur le site de Pokébip, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est un très bon site de Solus Pokémon. Allez, plein de jeux. Et aussi, ils ont un Pokédex super complet.
enfin super bien quoi. Et en fait, il y a et aussi ils mettent toujours les news de Pokémon. Et là, et ben, en y allant, j'ai découvert un nouveau jeu Pokémon qui va sortir sur 3DS. Donc en fait, de toute façon, je trouvais ça bizarre qu'ils ça allait pas sortir. Et d'un côté, je suis super content. Donc c'est la suite, enfin c'est donc il y a eu Or et Gold, donc un remix de Or qui est sorti, et ils ont décidé de ressortir Pokémon, enfin Pokémon Saphir et Ruby. Ruby sur sur 3DS, donc c'est-à-dire la ON quoi, ON voilà, ON. Ils ont décidé de le ressortir. Donc alors par contre c'est Ruby Omega et Saphir Alpha, un truc dans le genre. Enfin je sais plus, voilà, donc c'est chez Pokémon sur 3DS. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de screenshots en tous les cas du jeu. Oh ben hop là, niveau 17. Il n'y a pas beaucoup de, ouais, de screenshots. C'est juste quelques images, mais ouais, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Oh, pas d'évolution. Je sais plus combien. Quand est-ce qu'il. Voilà, faudrait que j'aille vérifier. Alors. Un petit peu pour pas d'autres quand même, donc voilà, c'était la petite news, je voulais vous le dire parce que voilà, quand j'ai appris ça, voilà, j'étais super content. Je pense qu'aussi je ferai des solutions sur des jeux Pokémon, mais enfin d'avant quoi, aussi je reviendrai un petit peu sur les anciennes versions. Et voilà, un Roselia, c'est ça ma QG. Je crois qu'il est un 16, mais ça pas de puissance du tout. Sortie posant. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Hein, ben vivement que mon rose bouton évolue, parce que si ça enlève tout ça avec méga sensu, j'accepte hein. Tout de suite, tout de suite. Oh punaise. Ah ben là oui, moi je dis oui là. Oh, en plus ça résilie, mais ça donne tellement. Bâtard. Étoile. Cruel. Pardon, désolé. Oh, oh, ça fait 25 minutes. Effort, est-ce que je l'apprends? Ouais, je l'apprends contre Rugisport, même si j'ai déjà deux attaques. Mais ce sera la première que je vais prendre parce que celle-là... ça le fatigue, enfin ça marche pas tout le temps, puis c'est assez compliqué à la lancer. Bon, je vais guérir mon Pokémon et puis ben je vais, ah non il est 25, donc ça fait 20 minutes, un peu plus, non, 4 minutes, allez, ouais, 4 minutes, ça sera bon. Voilà, donc aujourd'hui bah, ça a été une bonne journée hein, sérieusement hein. Une petite évolution, c'est cool ça, une, oui, une seule. Voilà, donc j'ai deux Pokémon qui ont évolué. Rose bouton, j'irai vérifier avant de faire le deuxième, avant de faire l'épisode 9. Et car hier j'ai sorti 3 épisodes à la suite. Content, j'étais trop content. Ouais, je vais faire ça, allez, je fais un autre combat et je vous laisserai après. Alors... là, donc je sais qu'en haut... putain... vraiment désolé, hein, mais c'est la télécommande. Voilà. Dixie, tu vas rester devant, t'as intérêt, par contre. Parfait. Parfait, parfait. Alors... oula. Pardon.
C'est parfait ça. Non, c'est bon, ça devrait faire l'affaire, ça devrait faire l'affaire. Vraiment, ce qu'il y aurait, c'est ce que j'aurais dû retirer s'il aurait utilisé Boulin Brave. Ça devrait être bon, parfait. J'ai bien. Oh, en coup, je ticherais pas dessus. Yes! Level 15. Je me sens si Clixie, il évolue plus tard, très tard. Je crois. Si, si, il évolue tard, alors c'est Pokémon. Chérie, je vous fais ce soir un mâle et mince, c'est une femelle comme de par hasard. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir m'utiliser charme, ça va faire mal par contre ça. Voilà, je garde charge, mais bon. Oh non, punaise, c'est pas vrai. Pourquoi t'es pas un mâle toi? Je vais rien taper. Je continue à utiliser. Mince, je voulais qu'il réutilise une autre fois. Pourquoi il critique lui? Je tente étincelle. C'est une attaque aussi de type contact, donc ça veut dire que c'est puissant, ça veut dire que ça me fait aussi baisser ma puissance. Non. Doucement, doucement. Étincelle, la première attaque. Oh yes. Oh yes, ce qui me sauve la mise. Charge. D'accord. Boum. Yes, bien joué Lucky. Bien, bien ça va. Excusez-moi. Non. T'aurais pu up. J'en ai marre. J'en ai marre. Deuxième fois que je me fais avoir. Je dis, je me souviens très bien que Lixie, ça évolue plus tard. Niveau 15. Bon bah c'est parfait hein. Voilà, deux évolutions. C'est la fête, c'est la fête aujourd'hui, je vous le dis, je vous le dis. Luxio, c'est bien. Je suis content. T'apprends quelque chose? Non, c'est bon. Eh ben, ça fait 13h30, ça fait 25 minutes, 27 minutes à peu près. Eh ben, je récupère ça. La Pokéball, et je vais vous laisser ici à côté de ce petit grand dos. Vous savez quoi? Je vais vous laisser en pêchant. On enregistre. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.